À tous et notamment à ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous avez mangé léger, qu'il n'y aura pas de sieste digestive. De toute façon, je compte prendre un selfie avec ceux qui s'endorment. Et ça vaut pour toi, Thierry. Oui. Je sais pas de quoi tu parles. Moi, j'ai mangé extrêmement lourd, mais je suis quand même en forme. Ouais, c'est ça. Alors, quel est le thème de cette journée? Alors d'abord, je voudrais quand même rappeler à tous ceux qui sont devant l'Inspiration Bar qu'ils peuvent venir nous rejoindre, que ça va être vraiment, vraiment hyper cool cet après-midi. C'est la dernière demi-journée du Lab Postal. Il va y avoir énormément de monde qui va venir s'exprimer. On va finir en se danse. Servant de notre corps. Je pense même moi, je vais tenter de faire un truc, donc ça va être chaud. Et on va commencer par une séquence sur... Le making, sur les makers, c'est-à-dire vraiment ceux qui remettent les mains dans le cambouis, ceux qui ouvrent le capot de la grande question technologique, ceux qui font des trucs et qui, de fait, sont à la fois des créatifs, mais aussi des bidouilleurs. Et donc, on va accueillir tout un tas d'individus extrêmement passionnants et ça va commencer par un grand moment, je pense, Carole. Oui, on va commencer par de la chair fraîche. Il a 26 ans, il rêve de changer le monde. Mais heureusement pour nous, cette fois-ci, je vous demande d'accueillir la plastique odyssée de Simon Bernard. T'as dit chair fraîche, quoi. Bonjour à toutes et à tous. Si je vous dis 18 tonnes, qu'est-ce que ça vous évoque? 18 tonnes. Non, alors c'est pas le poids de cet éléphant derrière moi, il doit faire environ 6 tonnes. Non, 18 tonnes, c'est la quantité de plastique déversée chaque minute dans l'océan. Chaque minute. Alors je m'appelle Simon, je suis officier de la marine marchande. J'ai navigué pendant 2 ans autour du monde à bord de gros navires de commerce et je me suis rendu compte qu'il y avait du plastique partout. À chaque fois que je faisais escale, dans les villes, sur les côtes, tout ce plastique-là, je le voyais se déverser dans l'océan. Toutes les minutes, c'est l'équivalent de 3 éléphants de plastique qui se déversent dans le monde, dans l'océan. Alors, forcément, toute cette pollution a des effets... Vous avez sans doute vu ces images d'oiseaux ayant ingéré du plastique ou de tortues piégées dans des filets. Mais finalement, la grande majorité du problème est invisible. Puisqu'en fait, tout ce plastique qui se déverse dans l'océan, très rapidement, coule ou se décompose en microparticules. Ce qui fait que la pollution qui est visible, les quelques morceaux de plastique qui pourraient flotter, représentent à peine 1% du problème, 1% de la pollution. Tout le reste se décompose en microparticules et intègre la chaîne alimentaire depuis les petits planctons, en passant par les poissons, et tout ça, ça finit dans nos assiettes. Donc on est un peu tous en train de manger du plastique sans trop s'en rendre compte. Mais malgré ça, je suis assez optimiste. Un jour, je faisais escale à Dakar, dans une des anses les plus polluées, les plus touchées par cette pollution.
Et quelqu'un à côté est venu me voir pour me demander s'il pouvait faire le plein d'eau douce, le plein d'essence pour le bateau. En fait, il cherchait des petits boulots pour survivre. Et c'est là où je me suis dit, pourquoi ne pas faire en sorte de récupérer cette matière première qui finalement a de la valeur et pouvoir faire vivre des gens grâce à tous ces déchets qui n'ont finalement pas grand-chose à faire dans la nature. En creusant, je me suis rendu compte que ce plastique pouvait être une formidable ressource. On peut en faire par exemple des maisons. Comme ici, ça c'est une maison qui a été construite à partir de briques, à partir de plastique qu'on a fait fondre. Et ces briques-là, on peut réussir à construire une maison un peu comme des Legos. On peut aussi en faire des bateaux par exemple. Ça c'est un projet au Kenya de bateaux. On a remplacé les planches en bois en plastique recyclé mélangé à de la sciure de bois. Ce qui fait qu'en plus de ça, on évite d'utiliser du bois, les bateaux durent plus longtemps parce qu'ils ne pourrissent pas, et puis on a ramassé du plastique sur les côtes, éviter qu'il termine dans l'océan. Et une dernière chose encore plus incroyable, je me suis rendu compte que ce plastique pouvait être transformé en carburant. Quand on ne peut plus le recycler, on peut le retransformer en diesel et en essence. Est-ce que vous avez une idée de la quantité de carburant qu'on peut obtenir à partir d'un kilo de plastique? Non. Voilà, et ben c'est presque ça. Ouais. Avec un kilo, on peut faire jusqu'à un litre dans les meilleures conditions, entre 0,8 et 1 litre. Et donc, au lieu d'aller extraire du pétrole, le raffiner, le transporter, et à côté de ça, brûler tout le plastique parce qu'on veut s'en débarrasser, on peut le récupérer ses déchets et au moins remplacer une partie du carburant qu'on extrait. Le problème, c'est que toutes ces solutions, elles existent. Ces innovations, on les connaît, mais elles sont réservées un peu aux pays du Nord. C'est des grosses usines qui coûtent très cher, qui demandent plein d'ingénieurs. Et donc, elles ne sont pas accessibles aux pays qui en auraient le plus besoin, donc là où vraiment on a cette pollution plastique. Et donc, avec une équipe de passionnés, on s'est dit, il faut réussir à rendre accessibles ces solutions, ces systèmes de recyclage plastique, les rendre accessibles au plus grand nombre. Et au lieu d'aller construire des grosses usines qui ne sont pas adaptées partout au pays du Sud, on va permettre des petites usines, un réseau de petites usines de recyclage partout sur les côtes et donc faire barrière au plastique. Et donc pour ça, c'est nos petites machines, il faut qu'elles aient trois particularités. Il faut qu'elles soient à petite échelle, on pourrait être à taille humaine, implanté un peu vraiment au pied des décharges, vraiment à la source du problème. Il faut qu'elle soit low-tech, le plus frugale possible, pour pouvoir être reconstruite facilement. Et puis, il faut qu'elle soit, ça c'est une valeur qui nous tient à cœur, open source, libre de tout brevet, pour pouvoir être adaptée aux différentes situations, reconstruite, répliquée partout dans le monde. Ces systèmes, on s'est dit, donc, on peut recycler le plastique pour faire des maisons, en faire du carburant. Il faut les diffuser, il faut réussir à les partager au plus grand nombre pour qu'elles soient installées partout. Donc il y a un projet qui nous a un peu inspiré, qui est Solar Impulse. Vous avez sans doute entendu parler de cet avion qui a fait le tour du monde à l'énergie solaire. On s'est dit, si on veut avoir le même impact avec le recyclage plastique, il faut faire la même chose. Il faut embarquer tous nos petits systèmes sur un bateau ambassadeur du recyclage. Un bateau qui avancera uniquement grâce aux déchets plastiques collectés à chaque escale et recyclés à bord en carburant pour faire avancer le bateau de pays en pays. Et donc montrer que tout ce plastique a beaucoup trop de valeur pour être laissé dans l'océan. Un peu comme dans Retour vers le futur. Et ce projet, il va partir en 2020 pour 3 ans d'expédition le long des côtes d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie, les 3 continents les plus touchés par cette pollution. Donc à chaque escale, du plastique sera recyclé, ramassé d'abord, recyclé en briques pour faire des maisons, en objets, et puis tout ce qui ne pourra pas être recyclé sera stocké à bord du bateau pour être transformé en carburant et le faire avancer d'étape en étape. L'objectif à terme, c'est de faire naître un réseau mondial de petites entreprises de recyclage pour créer des économies locales et donc faire vivre des gens grâce à tous ces déchets et éviter qu'ils terminent dans l'océan. Alors aujourd'hui, on est une équipe de 4 passionnés, entrepreneurs, officiers de marine marchande, ingénieurs,
Et donc, on a le soutien de nombreuses personnalités, une communauté qui commence à se créer d'industriels, de chercheurs, d'ingénieurs, pour tous mettre nos cerveaux en commun et développer ces systèmes-là accessibles au plus grand nombre. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? 2020, c'est un peu loin. On construit un petit bateau. Donc on se lance dans un prototype qui sera à l'eau en juin, qui va embarquer réellement une micro-usine de recyclage du plastique en carburant. Et donc ça va être le premier bateau, il s'appelle Ulysse, et c'est le premier bateau qui avance grâce aux déchets plastiques, qui sera mis à l'eau en juin et qui va faire un petit tour de France pour aller montrer tout ce qui est possible de faire. Donc on a pour ça des nombreux partenaires, et notamment techniques qui ne sont pas tous représentés là, mais l'idée c'est de faire naître, grandir cette communauté et puis développer des systèmes vraiment accessibles à tous. Alors si l'aventure vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre pour faire en sorte qu'il n'y ait pas dans 30 ans plus de plastique que de poissons dans l'océan. Merci. Attends. C'est un projet hyper ambitieux, mais je crois que tu n'arrives pas à faire des projets locaux. Tu aimes les grands projets, c'est ça? Ouais, j'ai toujours plus de passion et j'ai toujours eu, je pense, une ambition peut-être un peu trop grande, mais c'est ça qui fait que ça me motive tous les jours de me dire il y a des problèmes vraiment planétaires. C'est super de faire des projets aussi à petite échelle localement, mais ça me passionne tellement de se dire qu'on peut réussir, et je pense qu'on commence à le sentir, on peut réussir à vraiment avoir un impact à l'échelle mondiale et participer à notre échelle vraiment à changer le monde. À changer le monde, c'est ça. Alors, c'est où en juin? Il sera mis où à l'eau? Il est construit à Concarneau, dans les chantiers de Roland Jourdain, ouais. Et ensuite il va partir. Alors on a un événement qui s'appelle l'International Clean Tech Week à Annecy. C'est un peu loin de la mer, mais il y a un lac. Il y a un grand lac. Donc il va faire ses premières navigations sur le lac d'Annecy. D'accord. Et ensuite on descend dans le sud, dans la Méditerranée, et puis on va avoir une partie atlantique aussi en septembre. Je pense que tout le monde se pose la question, comment on peut t'aider? Alors à plusieurs niveaux, on cherche donc forcément des partenaires techniques, des partenaires financiers. Donc le projet est financé par du sponsoring, mécénat sponsoring, ce qui nous permet de développer tous nos systèmes en open source. Il n'y a pas d'investisseurs derrière, c'est un format un peu différent d'innovation. Et donc c'est un projet assez ambitieux et on commence à chercher d'autres partenaires, d'autres sponsors pour ce projet. Ok, et c'est plasticodyssée.org si vous voulez avoir plus d'infos. Merci beaucoup, Simon. Merci Simon, merci beaucoup. Merci.